Il croit que nous sommes venus ici pour blaguer. Le fait d'attendre le roi ne fait pas qu'il sorte n'importe comment. En fait, vous devez juste l'attendre. Manuel, c'est le roi qui est le maître. Nous sommes là pour l'écouter. Hein? Mais il sait ce qu'il fait. Hein? Est-ce qu'il est fou? C'est quoi ça? Oh! Les anciens, je vous en prie. Je ne sais pas ce qui est arrivé au roi. Venez m'aider, je vous en prie, les anciens. Qu'est-ce qui se passe avec le roi? Faites vite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec le roi? C'est quoi ces montres? Ah, ça c'est quel genre de vie? De la gloire? Au mépris? Celle qui était autrefois vénérée, louée et adorée. Mais voici maintenant, faible, pauvre et dans la misère. Ah, c'est quel genre de vie que je mène? Ah. Qui sait qu'est-ce qui ne va pas avec les rois? Tu vois la question que tu me poses maintenant. Pourquoi est-ce que tu me la poses? Comment saurais-je ce qui est en train de se passer là-bas? Non mais comment? Va leur demander. Mon cœur bat à la chamade. Mais bon, attendons, hein. N'ose même pas y penser. C'est une grave abomination de penser que le roi va avoir... Je ne peux pas prononcer ce mot. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Le docteur s'inquiète beaucoup. Calme-toi, le roi ira bien. Ah, j'espère. Je dois travailler avec ma grand-mère. Je crois qu'elle est fâchée pour le moment. Attends. Qu'en est-il du prince et la reine? C'est ce que je me demande maintenant. Mais qu'est-ce que tu... Non, attends. Ça, ce n'est pas le problème. C'est très simple. À la fin de ce mois, tu vas dénoncer ton argent à 50-50. Comme ça, on verra ce qu'on peut faire. Regarde ta bouche, tu aimes l'argent. Laisse-moi tranquille. Reviens ici. Et tu t'en vas de cette façon. Reviens. Merci. Je vais me déranger là-bas. J'arrive. Grand-mère, je suis de retour. Grand-mère, ne me dis pas que tu vomis avant que je vienne. Je crois que tu dois avoir faim. Prends ça, je t'ai apporté. Mange ça, hein? Quand tu manges ça, je pars à l'intérieur pour préparer pour toi. Merci, ma fille. Merci. Ah. Oh, grand-mère, tant que je vivrai, je continuerai de prendre soin de toi. Ok.
Es-tu sûr que c'est sage de quitter le palais à cette heure de la journée? Non, grand-mère, mais... Je n'ai pas d'autre option. Le roi est malade et tout sent au palais. Oh, non. Qu'est-ce qui est arrivé au roi? Personne ne sait, oh. Bon, le docteur est avec lui. Je crois qu'il va se rétablir bientôt. T'inquiète, grand-mère. Juste mange ça et je t'apporte de l'eau. Et je prépare pour toi. Oui. Donc ça devient grave. Je vous dis la vérité. La situation du roi s'empire du jour au lendemain. Je vous dis, je crois. Le docteur vient, est en train de venir. Il vient. Vas-y. S'il vous plaît, grand-mère. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Comment pourrais-je me calmer pendant que mon fils est en train de se battre pour sa vie? Grand-mère, le roi se portera mieux. Vos petits-fils sont à vos côtés en train de vous regarder. Si vous continuez comme ça, que voulez-vous qu'ils fassent? Vous devez être forte pour eux. Grand-mère. Je serai forte pour eux. Je vais essayer d'être forte. Je voulais dire... Oui, pardon. Grand-mère, prends ta nourriture. Assieds-toi bien, tu vas manger. Merci, ma fille. T'inquiète, grand-mère. Je dois partir maintenant avant que la reine commence à me chercher. Hey! Cette vieille est toujours en vie? Qu'est-ce que tu veux dire par là, grand-mère? T'inquiète pas. Tu peux partir. Oui. Es-tu sûr? Oui. Ça va. T'inquiète pas. Ok. Prends bien soin de toi. Bye. Merci beaucoup. Ichenabogo. Nanyunogo. Comment pouvons-nous apporter cette nouvelle à sa famille? Comment? Ah! Ma bouche manque les mots pour expliquer ces malheurs. Oh non! En tout cas, je suis sans voix. Hey! Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui est arrivé est arrivé. Azubodonien, on doit le leur dire. Allons-y. Nainugo. Nainugo, viens. Nainugo. Viens, suivons-le. Comment est-ce qu'il peut prendre cette décision? Leur apporter la nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé?
Femme, le grand Iroko est tombé. Je suis choqué et surpris de cette nouvelle. Arrête, t'es un ancien. Calme-toi, Naï. Arrête. Arrête de pleurer. Arrête. Arrête. Comment est-ce que tu peux pleurer comme une femme? Qu'est-ce qui est arrivé, oh? Non. Que le Dieu nous en épargne. Donc le roi est parti comme ça, vraiment. Oh, mon Dieu. Mais qui est-ce que c'est? Comment tu vas? Quelqu'un m'a cherché. Donc tu veux me dire que tu n'arrives pas à entendre le pleur ici et là? Donc tu n'entends pas les gens pleurer au palais? Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi est mort? Qu'est-ce qui est arrivé? Ne sais-tu pas que le roi ne meurt pas? Il voyage. Hey! Hein? Hey. Attends, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu me fais peur, oui? Comment saurais-je? Okay, d'accord, calme-toi. Le roi. Mais arrête, non, ça suffit. Tu dois arrêter de pleurer. Non, arrête de pleurer. Regarde la grand-mère. Oui. Arrête. Tu dois arrêter de pleurer. Arrête. Ça suffit. La grand-mère est vraiment touchée. Arrête. La famille très triste. Pourquoi tu fais ça? Tu veux pas pourquoi qu'il tu ne peux pas garder le silence? Regarde l'état de la grand-mère. Écoute, sois fort. Nous sommes venus pour les réconforter. Pourquoi il ne veut pas comprendre tout ce que je lui dis? Oh non, essaie un peu de le calmer. Ça suffit. Grand-mère, ça suffit. Calmez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, grand-mère. Grand-mère. Bonsoir. Hey. Au travers de ta voix, je peux sentir le chagrin et aussi la tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais un grand malheur est arrivé à cette terre. Mais je ne suis pas la mieux placée pour dire ce qui est arrivé. Parce que la nouvelle n'est pas encore propagée. Tu parles à une vieille. Je ne suis pas un enfant. Bien. Je sais. Le roi a rejoint le grand au-delà. Il a brisé mon cœur. Parce qu'il était une bonne personne. Il était bien avec moi et avec tous ceux-là qui habitaient dans les palais. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, Calista. Ne te dérange surtout pas à propos de tout ce qui s'y passe. Tu es trop jeune pour comprendre.
Honnêtement, grand-mère, tu dois me dire aussi parfois. Laisse-moi aller à l'intérieur et changer mes habits. Ah. Dorothée. Dorothée. Donc t'es toujours en vie. Sorcière. Tu vis toujours. Hey. Hey. Maintenant que toutes les opérations traditionnelles ont été faites, le roi est mis au repos. Je crois qu'il est temps de couronner un nouveau roi. Tu as raison. Il est temps que le prince Izuna succède le trône de son père. Ono. Oboifi. Prince Izuna est trop jeune pour prendre ce genre de responsabilité. Mais comme on le dit souvent, dans ce genre de circonstances, que dit la tradition? Je ne peux rien faire. Notre tradition et coutumes doivent être obéies. Il est le vrai fils de son père. Je dois le couronner le roi du royaume d'Okana. Je ne suis pas contre ça. Je le sais. C'est le prince héritier de notre royaume. Bien sûr. Mais prince Izuna est beaucoup trop jeune pour régner sur le royaume d'Okani. Nous ne pouvons pas léguer notre royaume entre les mains d'un petit garçon. Ah, Maneluko. Qu'est-ce que tu suggères? Très bonne question. Il faut qu'on installe un intérimaire qui pourra occuper le trône jusqu'à ce que le prince Izuna sera suffisamment grand. Puis il va les lui laisser. Oboifi, si je peux demander, qui est cette personne que tu peux proposer? Onuru, moi, je suis le prochain dans la lignée royale à occuper ce trône. Et vous le savez très bien, je peux bel et bien assumer des responsabilités. Oboifi. Onuru. Grand-mère, qu'est-ce qu'ils ont décidé pour Izuna? Jusqu'à présent, ils n'ont encore rien dit. Jusqu'à présent, je n'ai aucune information, mais bientôt, ils vont décider. Nous attendrons seulement leur décision. Mais c'est mon frère qui mérite le trône. C'est lui l'héritier légitime qui mérite. Oui. C'est lui la personne valable pour occuper ce trône. Nous devons attendre jusqu'à ce que les membres du cabinet vont décider. Qu'est-ce qui se passe? Izuna. 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 Hein? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu calmes. Calme-toi. Calme-toi. Ça va aller. Oui, respire. Doucement. Izuna. Je veux bien. Mais, grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Izuna, tu stresses beaucoup ces derniers temps. Hein? Tu te mets trop de pression. Depuis la mort de ton père, tu dois apprendre à te détendre. Si ça va pas, allons à l'hôpital. J'ai dit que je veux bien. J'ai juste besoin de repos. Va te reposer dans ta chambre, hein, mon fils. Repose-toi un peu. Grand-mère, et quoi? Je ne sais pas. Vous savez, quand un intérimaire est au pouvoir, tous les problèmes de notre royaume seront très bien résolus. Oui. En tant qu'intérimaire, j'apporterai de l'aide au jeune prince qui est également mon neveu. À apprendre beaucoup plus sur le leadership. Et que quand il sera suffisamment grand, il pourra alors occuper les trônes. Oui, Oboifi, j'ai analysé ta proposition. Elle est vraiment bonne.
N'oublie pas aussi que nous sommes les faiseurs de roi du royaume d'Okami. Le plus grand renommé au titre de chieftaincy dans ces royaumes. Tout le royaume entier est en train de nous regarder comment nous faisons usage de la tradition et coutumes de cette terre. Et cela doit se faire. Ce n'est pas de cette manière que nous couronnons le roi ici, d'après notre tradition. Pour être très clair, je ne serai pas d'accord avec ça. Prince Izuna est l'héritier du trône. Et c'est lui qui sera couronné roi. C'est ça. J'espère que c'est une bonne décision que vous aurez prise. De couronner un petit garçon comme celui-là, roi de notre royaume. Oh, Boyfi. N'oublie pas que nous serons toujours à ses côtés pour l'orienter. Laissons le Dieu le guider. Vous pouvez juste le conseiller et il verra ce qu'il pourra faire. Et s'il est le choisi de son père, il prêtera l'oreille au bon conseil. Oui. Dubai Ikene Munu. Ouais. Yenu. Ouais. Munu. Ouais. Tuchana. Ouais. Le faiseur de roi du royaume d'Okana. Je vous salue. Aujourd'hui, c'est un bon jour. La nouvelle donne est prête de commencer dans la terre d'Okane. C'est notre tradition qui nous a été léguée par nos ancêtres. Et nous devons la suivre à la loupe. Aujourd'hui, nous couronnons le prince Izuna ici présent comme roi du royaume d'Okane. Nous le faisons volontiers et nous prions à ce que l'histoire règne plus longtemps. Nous devons commencer. Prince Izuna. Oui. Ici. Nous avançons sans pour autant faire la marche en arrière. Oh oui. Je crois que tout est fait. Par le pouvoir qui m'a été conféré en tant que honneur de ce grand royaume, Dukani. Sur ce, je vous couronne Igwe Ochinawata, premier du royaume d'Okane. Igwe! 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 Oh non. Ochinawata. Oyabaji. Ah. Ochinawata, règne à jamais. Ochinawata. Ah, voilà notre roi. Igwe! Mettez-vous au trône de votre père. Igwe! Guba Ajem! Honga Rikanchan! Igwe! Bienvenue, notre nouveau roi. Guys. Écoutez, nous devons bien faire ça. Ma mère est juste à côté, vous comprenez? Pas donc, de problème. Je ne veux pas qu'elle le voie. Pas de problème, pas de problème. Je vais vous les donner. Les sacs, vous allez voir ce ne vous inquiète pas, ne vous inquiète pas, je vous les donne. Vous savez que j'ai de l'argent. Je vous donne d'abord ce que je possède. C'est pour ça que je fais la comptabilité à l'écolo. Mais l'argent ne vient même pas.
Hey! Hey, c'est Thomas l'argent, oh! Je crois que ça vient de la banque. Ça, c'est du cash. Tout ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour toi. Tu es devenu un boss. Gère d'abord ça. Mec, ça, c'est pour toi. Moi, je suis petit, j'apprends encore le travail. Je garde pour moi dans ma poche. Eh ben, pourquoi pas on le fait ici? Calme-toi. Ne vous intéressez pas seulement de l'argent, mais plutôt du travail. Calmez-vous. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. T'inquiète, on se verra prochainement, toujours ici. Pas de problème. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Calmez-vous, les gars. Je sais bien que vous vous précipitez pour l'argent. Pour l'instant... Ça va, ça va. Nous devons être très prudents. Pas de problème. Prenez ces histoires et mettez-les là-bas, ok? Pas de problème, pas de problème. Moi, je vous laisse, ok? Pas de problème. Maman, bon après-midi. Oh, messieurs, attends. Je te parle, tu pars. J'ai dit stop, viens ici. Tu sors d'où? Où étais-tu ce matin? Où vas-tu, non? Et d'où viens-tu? Maman, c'est quel genre de question? D'où je viens, où je vais? Réponds à ce que tu as compris. Tu t'es sorti. Tu étais sorti? Où étais-tu parti? J'étais allé faire quelque chose. Lézé, tu étais allé faire quelque chose? Très tôt matin? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Arrête avec tout ceci parce que ça, ce n'est pas mon fils. Change! Sinon, tu vas te créer des problèmes. Maman, mais je ne comprends rien. Au lieu de me donner des conseils, maman, toi, tu commences encore. Avec tes mots et ton langage compliqué, c'est qu'on a pris l'école. Je sais très bien que cela me complique. Qu'est-ce qui se passe? Ça menait un crime de sortir ou comment? Moi, tu me gardes là-bas à l'intérieur. Pas. Attends. Écoute ce que je vais te dire. Je ne te comprends plus. Tout ce qui te concerne ces derniers temps est toujours mauvais. Tel que je suis là, je ne te comprends plus. Tout le monde parle que de toi. J'ai appris que tu es devenu voleur. Tu arraches les histoires d'autrui. Tu es là en train de prendre la cigarette. Tu es là, tu ne fais que de mauvaises choses. Et tu le sais très bien que je suis en train de dire la vérité. Hey, maman, au moins, c'est bien que tu apprennes des choses sur moi. Oui, j'apprends des choses, mais ce ne sont pas de bonnes choses. Il faut être fier. Au moins pour moi, tu apprends des choses, maman. Je ne suis pas comme les autres. Et maman, cette personne-là qui te dit que moi je fume, il faut bien vérifier. Elle-même aussi fume. Parce que le fumeur reconnaît le fumeur. Hey! Apo, quoi? C'est ta nourriture. Merci. C'est tellement délicieux. Tu vas vraiment l'aimer. Viens. Où est le reste de la nourriture? Ou encore, tu as tout mangé? C'est quel genre de questions stupides que tu me poses? Hein? Je veux savoir. C'est juste quelque chose que tu me donnes pour goûter pour que tu m'amènes encore un grand plat encore. Ah bon? C'est toi? Tu es vraiment stupide, est-ce que tu le sais? Non, mais es-tu sérieuse? Non, mais ce n'est pas normal, est-ce que tu es sérieuse là? Attends d'abord. Réponds à ma question, est-ce que tu es sérieuse là? Même ta grand-mère là au village, ta grand-mère, dans cette vieille maison, pourrait manger cette nourriture? Réponds-moi. Tu as le culot d'apporter cette chose au grand vigile. Le grand portier, c'est cette chose, tu appelles ça nourriture? Comment tu peux oser d'impliquer ma grand-mère dans ces problèmes, hein? Tu es vraiment stupide. Regarde, écoute ce que je te dis. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Nulle part jusqu'à ce que je verrai un changement avec ces produits. Recherche la paix. Augmente la quantité ici. Laisse-moi maintenant. Sinon, je vais crier. Laisse-moi. Laisse-moi, je vais crier. Oh, allez. Laisse-moi.
Mais c'est quoi le problème? Laisse-moi! T'échanger n'est pas une obligation. Tu as vu la nourriture? Tu la vis? Laisse-moi! 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 Mon enfant, comment tu te sens maintenant que tu es devenu roi? Je ne sais pas. J'ai la même sensation, mais avec plus de responsabilité. Je sais. Tu vois, tu es le leader de ces royaumes. Tout ce que tu feras affectera ces royaumes, négativement ou positivement. Je commence aussi à voir ça, grand-mère. Ton défunt père, mon fils, était un grand roi. Quand il avait accédé au trône, tout le monde se disait qu'il ne réussira pas. Mais il a prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort en devenant le grand roi de ce royaume. Grand-mère, je ne peux rien faire avec mes faiblesses et tous mes caprices. Je demande au Dieu de la sagesse chaque jour. Afin de... Aïe! Non. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Léo? À l'aide! À l'aide! Venez m'aider! Je vous en prie. Mon roi, venez m'aider, faites vite! À l'aide! Comment osez-vous crier de cette façon ici au palais? Ma princesse, on est désolé. Nous sommes désolés, princesse. Dites-moi maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Parle. C'est toi, non? La cause de ces combats. Ne vous en faites pas, ma princesse. Si cette fille est une très grande menteuse, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma princesse, merci pour m'avoir donné l'opportunité de... Tu peux la fermer et me dire qu'est-ce qui s'est passé? Ma princesse, je suis en train de passer mon temps en suivant la radio. Je ne m'occupais même pas d'elle, mais à ma grande surprise, je l'ai vu m'apporter un peu de nourriture. Au moment où j'ai ouvert cette assiette, ah, ma princesse. Aquam, j'étais en larmes, j'ai vraiment pleuré. Tu as pleuré? Oui. Pourquoi? C'est un menteur, ma princesse. Il n'avait pas pleuré, oh. Hein? Ma princesse, vous aurez vu la nourriture. C'était très peu. C'était quelque chose de très peu comme ça. Et quand j'ai ouvert la cassette, je me suis dit, mais est-ce qu'il a un problème contre moi ou comment? Hein? J'ai pleuré. Avec les gens de faim que j'avais dans mon ventre, là, je ne pouvais pas supporter. Et je suis en train de la supplier de m'ajouter un peu de nourriture. Elle a refusé. Voilà le nœud de tout le problème. Ma princesse, vous aurez dû voir la façon dont il m'est parlé. Hein? Calista, ce qu'il vient de dire là, c'est vrai? Ma princesse, c'est juste parce que je n'avais pas vraiment beaucoup préparé. Juste une petite chose. Mais Calista, il y a assez de la nourriture dans ces palais. Il a dit qu'il en voulait plus. Pourquoi tu ne l'as pas donné? Écoutez, je ne vais plus vous voir vous battre à cause de la nourriture dans ces palais. Merci, ma princesse. J'ai été claire. Merci, ma princesse. Maintenant, quittez devant moi. Apporte-moi à manger. Apporte-moi à manger. Comment être si pénible pour un homme qui a vécu une fois dans la richesse? Et par après vivre dans la pauvreté et le rejet. L'univers, la nature, refuse de me donner le repos éternel. Je ne suis pas le pire des humains sur cette terre, mais je suis la plus punie. Essayez-nous, Dorothy. Regardez Dorothy. Elle mange le produit du champ que j'ai cultivé. Ah, Dorothy, tu ne connaîtras jamais la paix. Tu ne connaîtras jamais la paix, Dorothy. Grand-mère, je suis de retour. Hey, bonsoir. Bonsoir.
Grand-mère. Est-ce que tout va bien? Grand-mère, tu pleures. Tu vas bien? Ok, laisse-moi aller dans la maison. Je reviens. Hey, Dorothy, tu vas périr. Tu vas mourir 1 million de fois. 1 million de fois. Les vautours se nourriront de ton cadavre. Hey. Laisse ça, laisse, laisse. Oh mec, qu'est-ce qui se passe, mec? C'est quoi des femmes? Mon gars, hein? Pas c'est comme quoi? Ça. Non, tu réclames ton sac, à qui tu l'as remis? Donne-lui son sac, hein. Attends. Non, mon cher, attends. Est-ce que tu as pris son sac? Hé, voleur, arrêtez-les. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment pourrais-je permettre à ce garçon qui s'approche de la vingtaine, de diriger ces grands royaumes, pendant que je suis en vie? Ce trône est mien. Je ne peux pas permettre au prince Izuna d'occuper mon trône. Je suis assez vieux et surtout je suis sage. Je peux rendre Okana beaucoup plus grand qu'avant. Non. Je ne peux pas les laisser faire. Je dois faire quelque chose. Mon cher, tu as fui où? Lorsqu'il s'est pris le sac, il s'est fui. C'est ce qu'il fallait faire. Je devrais seulement fouiller. Vous savez que moi, je suis un aventurier. Je faisais semblant. Arrêtez-les. Celui-là a du talent. Mais gars, vraiment, je ne crois pas que nous aurons quelque chose de bon. Arrête de dire ça, viens, fais bien. Oh. Ah, tu vois maintenant, la fille voilà. Ne pleurait pas pour rien. Il n'y a rien. Cherche bien là-bas. Oh, cherche bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mes gars. Il y a quelque cherche chose. Bien, arrête de nous dire ces bêtises. Il n'y a rien, mes gars, hein? Ce sont des bêtises que je vois. Oh, il n'y a rien. Fais-les tourner, c'est un peu de les secouer. Regarde bien. Regarde la poche qui a les tirettes. Je viens de regarder tout de suite là. Attends. Mon cœur me bat. Mon cœur me bat. Ah! Hey! Hein? Ah, vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi ce que tu as fait, mec? Tout ce charabia que tu faisais avec cette fille pour rien. Ah, tu as eu t'as perdu ton il n'y a rien à l'intérieur. Tu te frappes même la poitrine que tu as eu un sac. Regarde c'est bêtise. Nous avons perdu nos énergies pour rien. Hein? Il n'y a pas de sérieux dans tout ce que tu fais, c'est mec. C'est du gâchis. Il n'y en a pas. On a pris le risque de venir prendre les sacs, mais il n'y a rien de bon dedans. Tu avais affirmé qu'il y a l'argent. Regarde, seulement des bêtises. Prochainement, ne nous appelle pas pour ce genre de sac. Hein? Tu viens nous appeler urgent, il y a une alerte que cette fille a l'argent. Regarde le sac qu'on avait ce jour-là. Hein? Ta façon de faire vraiment, ça me fatigue. Moi, je m'en vais, s'il te plaît. Je m'en vais. Qu'est-ce que je peux vraiment faire avec le mec? Comment j'ai croisé une fille pauvre comme ça? Cette fille. Ah! Cette fille est vraiment pauvre. On peut voir une fille avec le sac comme ça, mais à l'intérieur là-bas, il n'y a rien du tout. C'est tout ce qu'elle a sur elle. Cool. Faites ici, mon roi. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te moquer de moi? Tu m'appelles mon roi. Hey, vous êtes les rois du royaume du Kaa. Ah. Que faites-vous ici? Hey, mon Dieu. Mais toi là, je comprends pas. As-tu pris de la cocaïne ou quoi? Moi, ton roi. Et toi, tu me regardes bien, je suis ton roi, moi. C'est pas que tu m'appelles ton roi, moi.
Non, non, franchement, je ne fume pas. Comment est-ce que je pourrais oublier le visage de mon roi, honnêtement? Tu es fou. En train de faire ça. Tu n'es pas bien arrivé aujourd'hui, c'est comme ça. Il se peut que tu dormes encore quelque part là-bas. Mais si là, tu bouges comme ça, tu bouges comme ça. Mon roi, sans toutefois vous infliger, est-ce que tout va bien? Tu me poses encore la question. C'est toi qui ne vas pas bien. Peux-tu me laisser aller où j'allais? Je suis en retard, je dois aller vite. Hein? Écoute, ce n'est pas pour moi que tu fumes. Ce n'est pas pour moi. Va continuer de fumer ailleurs. Et quand tu fumes, tu vois une femme, tu peux l'appeler ta reine. Mon roi. Ne t'approche pas de moi. Gars, continue encore un peu, je vais te mordre. Maman, tu as failli tomber. Pourquoi tu cours comme ça? Ah, voilà tes histoires. Nézé, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne savais même pas pourquoi je courais. Et toi aussi, tu t'es mise à courir. Voilà maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Nézé, qu'est-ce qu'il y a? As-tu fait quelque chose? Il n'y a rien. Tu m'as fait courir comme si on nous attaquait. Et tu dis rien, c'est ça? Donc pour rien. Ne te fâche pas, ne te fâche pas maman, tu vois. Soit je cours ou je marche, les deux c'est la même chose, sauf que courir est un peu plus rapide. Toutes les deux jambes font la même chose, mais sauf que l'une est plus rapide que l'autre. Je ne te l'ai pas dit. N'est-ce pas que je t'ai dit d'essayer de stabiliser ta fille? Mais tu n'as pas entendu. Tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit. Tu fais ce qui te semble bon. J'espère que tu ne veux pas devenir fou. Je suis sûr que tu ne veux pas devenir fou. Je ne le ferai plus comme ça. Je ne le ferai plus comme ça. Je ne veux pas que tu deviennes fou. Je dis que je marche, je cours. C'est comme ça. C'est mon mode de vie. Regarde ta vie. Regarde-les. C'est comme ça que tu préfères les conduire. Donc tu veux me tuer dans cette maison. Mais je ne veux pas mourir, je te dis. Je ne mourrai pas où. Monsieur Boifi. Ah, jeune homme, comment tu vas? Je vais bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je venais de Assassa lorsque je vis le roi se promener comme un homme pauvre. J'ai essayé de lui saluer, mais il ne m'a pas répondu. J'ai essayé de m'incliner, mais il s'étonnait. Est-ce que tu vas bien? Je demande de savoir si tu vas bien. Et c'est quel genre d'histoire est-ce que c'est? Laisse-moi te demander, est-ce vraiment le vrai roi que tu as vu? Bien sûr que je l'ai vu, je sais ce que je vis, c'est pourquoi je suis venu vous, pour vous signaler ce que je vis. Très bien, merci d'être venu vers moi en premier. Hmm? Et à qui as-tu parlé à propos de ceci? Non, je ne l'ai pas fait. Très bien. Oh, regarde, nous devons rendre ce royaume beaucoup plus grand, tu comprends? Alors, ne parle de ceci à personne. Est-ce que tu comprends? Ok? Je serai celui qui les dira aux gens. Tu comprends? Ok, Onou. D'accord. Ok? Tu peux m'en partir. D'accord. Merci, Onou. À plus tard. Après tout, j'ai comme l'impression que les dieux sont de mon côté. Il est vraiment, vraiment autant pour moi de se ressortir ce secret d'État. Cette sorcière qui s'appelle Reine-Mère Dorothée, elle en aura pour son compte. Oui. Oui, c'est ce que je vais faire. Écoutez, les gars. Ça m'a vraiment bouleversé. Je marchais tout seul sur mon chemin. Mes pensées étaient même loin. Je ne voyais personne sur ma route, mais
J'ai entendu quelqu'un. Il s'est mis à genoux. Il m'a appelé. Mon roi, moi. Jusqu'à présent, tu n'as jamais cessé de mentir à ta mère et tu dis que bientôt on va commencer à t'appeler roi. Hein? Le roi des menteurs. Ça serait mieux que tu arrêtes avec ces bêtises. Écoute, j'ai toujours cherché l'opportunité pour te poser cette question. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour moi pour te la poser. Pourquoi tu aimes toujours mentir? Pourquoi tu aimes toujours mentir, mentir, mentir? C'est les mensonges qui sortent de ta bouche. Je vous ai dit que les problèmes que j'ai ici, vous n'arrivez pas encore à ce que moi je vous dis. Mais dites-moi d'abord, moi je vous raconte une histoire telle qu'elle s'est passée. Et vous voulez même pas me croire. J'ai vu une personne qui m'a appelé mon roi, ha! Ma mère est là, ma mère. Quoi? Ma mère. Hey! Oh mec, pourquoi nous nous calmons? Restons tranquilles, hein? On doit être calme, elle va rien constater, ok? Combien de fois je vous ai demandé de rester loin de mon fils? Combien de fois? Maman, on ne compte pas le nombre de fois. Nous sommes venus juste voir notre ami. Attendez, je vais l'appeler. Merci, maman. Ah, soyez la bienvenue. Maman, bienvenue. Maman est trop gentille, hein. Aïe, aïe, maman, aïe, aïe, aïe. Pardon, maman. Maman. Et toi, combien de fois je te dis de faire attention avec ce petit voyou? Combien de fois? Qu'est-ce qui est difficile pour toi de comprendre? Maman, mais pourquoi comme ça? Pourquoi tu me trouves avec mes amis et puis tu les chasses comme ça? C'est pas bien, maman. C'est pas comme ça. Donc, comme ça, tu veux commencer qui a dit à ça? Discuter qui a dit avec que moi? Tu parles, mon sujet, c'est pas. Ça? Depuis quand tu discutes avec moi, hein? Toi? Maman? Hey! Ah, maman! Mais pourquoi me faire mal comme ça, maman? Pourquoi comme non, ça? Non, mais approche ici comme ça, tu vas bien parler. Ah. Approche. Tu n'as pas honte. Tu m'as fait très mal. Un peu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et dis-moi si c'est un crime de le faire. Hein? Est-ce un crime? Hein? Dis-moi, où est le mal en t'étonnant? Hey. Reste loin de moi, oh. Je n'ai rien à faire avec toi. Je n'ai rien à faire avec toi. Reste loin de moi. Ne me dis pas que tu n'es pas d'accord avec la petite aventure que nous avons entre nous deux. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? J'étais en train de dire, reste loin de moi. Alors, désolé, tu sais que je t'aime bien. Tu sais, tu es la seule personne avec qui et j'aime vivre aussi dans ce palais. Faut le dire à ta propre sœur, pas à moi. Mais pourquoi tu me tiens à vigueur comme ça? Hein? C'est de cette façon que sera notre mariage. Hey, moi. C'est marié avec un homme comme toi. Ah, oublie cette affaire. Oh bien, je sais très bien. Je sais que je suis un portier, mais tu sais quoi? Mais c'est quelque chose de très important. Tu n'es qu'une ordinaire. Qu'une ordinaire et insensée fille. Et toi, tu vois? Alors, regarde, essaie d'y penser. Sincèrement parlant, regarde-toi d'abord. Pendant tout ce temps que tu vagabondais dans votre village, hein, est-ce qu'il y avait un garçon? Un garçon comme moi, parce que moi j'essaie de t'aider. Moi qui touche un salaire colossal comme ça. Et tu oses me sortir de ce genre de bêtises, toi aussi. Hein? Tu es vraiment stupide. Un grand homme. Non, non, viens m'épouser. Et qui devant moi? Qui devant moi? Va chercher les filles de ton niveau pour épouser. Vas-y. Regarde-moi ça. Hein? Je n'ai jamais été éduquée pour me marier avec un simple garde-corps. Si je veux que tu utilises le savoir du palais, et c'est tout ce que tu peux être dans ta vie, et tu seras comme ça pour toute ta vie. Tu es fou. Viens encore me demander la nourriture. Viens prendre la nourriture, n'importe quoi, stupide. Je sais que je suis jeune et sans expérience. Mais je ferai de mon mieux
pour être comme mon père. Mon roi, tu as parlé comme le vrai fils de son père. Ton défunt père, c'était un grand roi. Et je crois que vous ferez mieux. Merci. Comme vous venez de dire, mon défunt père, le roi, était un grand homme et même un merveilleux père. Et sans vos bons conseils, je ne peux pas arriver à son niveau de leadership. S'il vous plaît, donnez-moi des conseils quand il faut, afin que j'arrive à amener ces grands royaumes à un niveau plus élevé. Mon roi, nous t'avons toujours conseillé. C'est notre travail, notre devoir, notre responsabilité. Notre place est à votre côté. On va vous tendre nos mains en cas de problème et on va te conseiller pour le bien résoudre. J'apprécierai énormément cela. Obuefi. Obuefi. Est-ce que tout va bien? Mon roi, je vais bien. En fait, ils ont tout dit. Nous serons tous de votre côté, vous prodiguant de bons conseils. Merci. Tu es sûr que tout va bien? Oui, je veux bien. Tu t'es allé rendre visite à Inobu, déjà de retour? Oh oui, je suis rentré il y a quelques minutes. Oh, très bien. Tu as l'air pas bien. Il y a quelque chose qui te dérange? Rien, rien. Je veux bien, seulement je pense à la discussion que je viens d'avoir avec le chef d'Okane. Je t'assure que tout va parfaitement bien. T'es sûr que tu vas bien? Oui, je vais bien. Ok, laisse-moi le voir, mon mère. D'accord, très bien. Azoka. Où est-ce? Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Hein? Donc tu veux m'expliquer comment est-ce que tu as commis avec la reine mère pour décevoir tout le royaume? Ogwefe, ça ce n'est pas ce qui s'est passé. Assez. Le prince doit retourner à l'endroit auquel il appartient. Oui. Doucement. Hein? Doucement. Visez-la. Quoi? Hein, non. Quoi? Hein? Bonjour, maman. Pourquoi ton visage est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a rien. Tout va bien. Va à l'intérieur, oh. Qui est cet homme? Longue vie, mon roi. Hein? Le roi Pardon? De notre grand royaume. Hein? Messieurs. Messieurs. Vous êtes sûr que vous allez bien? Mon roi. Je vais très bien. Vous êtes l'héritier du trône de notre grand royaume, le royaume d'Okada. Hé hé. Vous n'appartenez pas à cette terre-ci. Mais dis-lui la vérité. Une autre personne s'est enivrée. Mais cette fois-ci, c'est un homme haut placé. Ah. Fumer ne dépend pas de qui on est. Maman, je suis à l'intérieur. Donc, tu ne l'as jamais fait savoir? Je vais te lui parler maintenant. Oui.
Kale. Kale, Kale. J'ai apporté déjà la nourriture. Voici ta nourriture. Kalista. Hein? Mais cette nourriture, c'est pour moi ou pour ma famille tout entière? Toi, bien sûr. Tu fies à quoi? Comment tu peux me donner une nourriture comme celle-ci? Beaucoup de nourriture comme ça, combien c'est ça, puis c'est pesant. Qu'est-ce que je vais faire pour les mamans? Que ferais-je? Kalista, comment peux-tu me donner beaucoup de nourriture comme ça? Donc tu veux que je meure ou que je mange cette nourriture une fois pour toutes? Le monde est tellement compliqué. N'est-ce pas la fois dernière tu avais déclaré pour la nourriture? C'est pourquoi je t'ai apporté ça aujourd'hui. Alors j'ai préparé tout ça seulement pour toi. Mange ça. Mange ça. Kalista. Hein? Cette nourriture, je ne vais pas la consommer. Non mais attends. Oh. Tu dois faire attention. Oh. Kalista. Tu vas finir cette nourriture. Non, jamais. Tu dois en finir. Kalista. En tout cas, je ne ferai pas. Advienne que pourra. Tu vois cette nourriture? Je ne vais pas y toucher. Hein? Tu dis quoi? Quel genre de bêtises parle-t-il? En plus, c'est trop bizarre. Regarde, hein? Tu sais, tu dois beaucoup manger. Tu dois vraiment manger. Parce que je ne crois pas que tu aies toujours envie. Kalista, attends. As-tu mis une portion là-dedans? Ça, c'est quel genre de bêtises? Finis cette nourriture. Finis ça. Viens prendre ta nourriture. Finis cette nourriture. Finis. Viens prendre ta nourriture, non? Finis ça, oh. Essaye de jouer avec moi. Ne blague pas avec moi. Tu vas finir cette nourriture. Tu vas en finir aujourd'hui. Un enfant qui dit que sa mère ne va pas dormir. Cet enfant, lui aussi, va rester éveillé. L'arme qu'elle a utilisée pour me détruire, c'est aussi avec cette même arme qu'elle sera tuée. Mais... Bonsoir. Oh, bon retour, ma fille. Comment est-il le travail aujourd'hui? C'était bien. Le palais maintenant en paix et je suis heureuse pour ça. Hein? Viens-tu de parler de paix? Comment pourrait-il avoir la paix dans une maison battue avec du secret? Que voulez-vous dire par là, grand-mère? Rien ne se cache dans ces mondes. Un homme qui tue par le paix périra un jour par le paix. Grand-mère, tu parles en parabole et je peux te dire que je ne comprends rien de tout ça. Je sais. Va te reposer. Tu as eu une longue journée. Te dérange pas en écoutant des histoires d'une vieille dame comme moi. Hein? J'en avais déjà. Merci beaucoup. Un acte abominable qui compromettrait l'existence de ce royaume a été commis par la reine-mère. Obuefi, comment oses-tu dire de telles choses sur ma grand-mère? Est-ce que tu vas bien? Elle nous a déçus tous, incluant votre défunt père. Je ne peux pas rester assise ici et te voir accuser la reine-mère de cette façon. S'il te plaît, Obuefi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Suis-je en train de pointer du doigt la reine-mère? N'avez-vous pas déçu nous tous ici? Il y a 20 ans... J'en ai assez de cette idiotie! Obuefi, ne me provoque pas. Tu ferais mieux de t'expliquer maintenant ou tu seras puni sévèrement pour avoir insulté la reine-mère de Okane, qui est aussi ma grand-mère. Votre Majesté, mon roi, mes collègues chefs, que nous renseigne la tradition à propos
du fait d'avoir deux fils jumeaux dans une maison royale. Ils n'ont pas permis de succéder au trône d'Okane. Depuis les temps de nos ancêtres, on n'a jamais entendu que un enfant non légitime succède au trône d'Okane. Où voulez-vous en venir dans tout ça? Le roi avait mis au monde des jumeaux. Mensonge! Hein? Tu n'es qu'un menteur, Obuefi. Obuefi, comment oses-tu dire de telles choses contre le trône d'Okane? Comment oses-tu? Votre Majesté, allons voir alors qui est en train de mentir ici. Hein? Moïse, s'il te plaît, tu peux entrer. C'est quoi ça? Onu! Pourquoi, grand-mère? Pourquoi? Mes enfants, je suis désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi. Comment tu pouvais faire ça, grand-mère? Pourquoi? Parce que les jumeaux sont considérés comme une malédiction. C'est contre notre tradition. Les jumeaux ne sont pas permis d'accéder au trône. Alors, je ne pouvais pas croiser les bras et accepter que mon petit-fils ne puisse pas accéder au trône. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu as refusé à mon propre frère les droits d'appartenir à la famille royale. Ce que j'avais fait était la seule option qui m'était présentée. Je voulais sauver ton père. C'était pour sauver les trônes. Je ne te crois pas, grand-mère. Je ne te crois pas du tout. Tu as fait tout ça pour tes propres intérêts égoïstes. Tu parles comme si tu as fait ça pour apporter de l'aide. Mais non, tu as plutôt fait ça pour ton défunt fils, mon père. Tu as même mis la vie de mon frère en danger. Toutes ces années. Grand-mère, comment peux-tu être sans cœur comme ça? Mon fils, pardonnez-moi. Pitié. Voilà tout ce que j'ai raté comme ça. Je me promenais dans la rue. Et voilà tout ce que moi j'ai raté. Tout ça j'ai raté. Partout c'est beau. C'est calme partout, c'est beau. C'est climatisé partout. Tout est bien ici. C'est beau partout comme ça. C'est beau de partout ici. Mon roi. Mais qu'est-ce qui vous arrive en vous voyant comme ça, en train d'admirer votre palais? Et c'est quoi le problème, mon roi? Qu'est-ce qu'il y a? Nawa, maintenant, c'est peint de partout, partout c'est peint, la peinture. Non mais qu'est-ce que vous racontez, non? Qu'est-ce que vous racontez, mon roi? Mon roi, qu'est-ce que vous dites, non? Hey, mon roi est devenu fou, oh. Hey, mon dieu, hey, Darabia, hey. Agonkwa, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Êtes-vous sûr d'être ma famille? Je suis ton frère jumeau. Et je suis ta grande sœur. Alors pourquoi c'est moi qu'on avait choisi pour aller souffrir? Alors pourquoi c'était seulement moi qu'on avait jeté comme ça? On n'a même jamais rien fait pour moi, non? Que je souffre! S'il te plaît, pardonne notre grand-mère. Elle est la seule qui nous a conduits dans cette erreur. De quoi parles-tu? Moi, notre royaume interdit aux jumeaux. Oui, les jumeaux royaux ne sont pas appelés à régner. Alors la grand-mère t'a renvoyé comme ça, en vue de conserver le trône de notre famille.
Non, notre mère, pendant qu'elle donnait naissance à nous deux, alors la grand-mère a fait ce qu'elle pensait être la meilleure chose à faire en ces temps-là. Donc, c'est moi qu'on avait choisi pour la souffrance. Et c'est à toi qu'on a fait faveur. C'est toi qu'on couronne. C'est toi qu'on a gâté. C'est moi qu'on avait choisi pour sacrifier. Moi, je peux te jurer sur mon trône, je n'étais pas au courant de tout ça. Si seulement je savais, je serais venu te chercher. Hein? Mais tu n'étais pas venu? Je ne t'ai pas vu? Je ne t'ai jamais vu. C'est pas de notre faute. Essaye de comprendre. S'il te plaît. Pardonne-nous tous. Pardonne-moi. Le plus important, c'est que tu es à la maison maintenant. Tu es entouré de ta famille. C'est ça le plus important. Tu es de retour. Mon fils, sache que tu y es son aîné. Le trône te revient de droit. Mais tu as été mis de côté pour que ton frère occupe ta place. C'est ça qu'ils ont fait. Oui. Ils m'ont jeté. À cause de celui-là. Pour que lui seul profite et que moi je perde tout. Ils m'ont jeté comme ça pour que je sois dans la souffrance. Cette mère de sorcière ne t'a jamais aimé depuis votre naissance. Oui, c'est vraiment ça. Tu dois reprendre ton droit d'aînesse, car tes ennemis sont là devant toi. Tous les moyens. Tes ennemis sont là devant toi. Je sais ce que je ferai. Tu n'as rien à me dire, je sais ce que je vais faire. En faisant tout nécessaire. Tu n'as rien à me dire. Ne me dis rien. Je sais ce que je ferai. Je sais ce que je ferai. D'accord, mon fils. Mon prince, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas le faire. Parce que ce n'est pas moi le roi. Non, s'il vous plaît, mon prince. Je ne peux pas le faire. Je vous en supplie, s'il vous plaît. C'est ce qui t'inquiète. Moi, avec tout le niveau que j'ai maintenant, je descends vers toi. Mais c'est toi qui fais gnang. Tu fais gnang 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 parce que je ne suis pas le roi. Mon prince, ce n'est pas ce que je veux. Je suis vraiment désolée, mon prince. D'ici. Je ne... Hein? Va-t'en d'ici. Regarde-moi celle-ci. Je sais comment de lui parler, mais elle veut se permettre de mal se comporter avec moi. Je peux changer ta vie. Je peux te donner un meilleur avenir. Mais voilà. Mais voilà ce que tu fais. Ha! Regarde-moi ça. Que penses-tu? J'aurais dû bien t'attraper. Je n'ai même rien fait de grave avec toi là. Ya! 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 Je vais perdre mon travail. Attends, bientôt tu vas le perdre. Tu ne penses même pas à ta fille. Calista? Oui, ma princesse. Y a-t-il un problème? Non, ma princesse. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Retourne travailler. Merci, ma princesse. Comment vas-tu, mon frère? Écoute, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu sais, je ne suis pas habitué à ces endroits enfermés comme ça, hein, votre palais, des choses comme ça. Je ne suis pas habitué, tu me comprends. Moi, j'ai été formé, élevé dans la rue. Moi, c'est la rue. C'est la rue qui a fait de moi ce que je suis. Dans la rue, je suis vraiment moi. Je suis vraiment moi. Je fais beaucoup de choses, tu comprends? Nous avons notre manière de vivre. On ne vit pas comme des gens qui sont dans des maisons.
qu'ils enferment tout le temps, qu'ils sont éduqués différemment. Ok, je sais. Maintenant, tu es la royauté. Le prince du royaume Okam. Hmm? Ça, c'est ta famille. Tu vas demeurer ici. Tu oui, dis? Tu seras ici. Moi? Oui. Prince du royaume Okane. Un royaume que je ne maîtrise même pas, que je ne connais même pas très bien, c'est ça? Écoute, permets-moi de te montrer tout le coin du village. Bien sûr que tu es sur la terre de ton père. Partout ici. Ça se voit que toi tu connais partout ici. J'ai vraiment hâte d'aller visiter partout. Mon frère. J'ai vraiment hâte. Ne t'inquiète pas. J'ai vraiment hâte. Je m'occupe de tout. Comment va notre frère? Bien. Tout se passe très bien comme dans ses rêves. Je ne peux pas imaginer comment il se sent. Tu sais, pour être vraiment honnête, la grand-mère signifiait tout pour nous. Mais comment est-elle parvenue à refuser la bonne vie à notre frère pendant toutes ces années? Tu t'en rends compte? Un membre de la royauté a fini comme ça dans la rue comme s'il n'avait personne. Ah, Ada, sincèrement, je souhaiterais pouvoir faire quelque chose qui nous familiariserait encore avec notre frère. Mais il souhaite aussi visiter les royaumes. Très bien. Alors, dans ces cas, choisis une des voitures et allez voir partout dans le royaume. Ah! Fais qu'il s'amuse vraiment. Il le mérite. Ok, s'il te plaît. Je vais le faire, mon roi. S'il te plaît. Merci, mon frère. Ah! Ça, c'est bien. Oh, tu es là, je pense être prêt. On peut partir. Non, 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 pas comme ça. Tu peux pas me suivre comme ça. Écoute, tu es maintenant de la royauté et tu dois l'utiliser. Habille-toi bien. Non, écoute-moi, je t'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne suis pas habitué à tout ça. Je ne suis pas habitué à vos trucs de royauté. Je ne suis pas habitué à tout ça. Bon, permets-moi de te transformer en royauté. Ah. Suis-moi. Suis-moi. Ah, regarde-toi, tu es maintenant habillé comme il se doit, tu trouves pas? Avec ça, je ressemble à un homme qui va aller faire un mariage traditionnel. Ton look est très bien. Allons-y. Ah, j'espère que je ne veux pas voir ça dans la maison de quelqu'un. Allons-y. Ça, c'est mon frère. Je serai maintenant un grand garçon pour la rue. Oui, elle est toute belle. Oh, non, arrête. Est... Dis-moi que tu es en train de mentir. Hein? Oh. Tiens, elle est bien haut. Qu'est-ce que tu dis? Oh non, mon voyant, est-ce que tu veux te taire, toi? Entre très bien, entre bien. Tchaï. Tu as vu la royauté? Un garçon comme celui-là, un pauvre garçon, dont on a formaté la vie dans peu de temps. Et le voilà, il est devenu comme un petit roi. Essaie un peu de comprendre ça. Juste parce qu'ils sont jumeaux, ils peuvent décider aussi de faire de lui roi. Mais moi, c'est pas j'allais devenir aussi roi d'or Igwe à Konkonwa. Non, c'est pas normal. Oui, je serai Igwe Djedje Akonkonwa. Et tu entends ça? Donc ce serait roi Djan Saint Diofilo Akweze Akonkon. Ah, regarde. Tu es fou. Oh. Regarde seulement les choses que tu imagines. Hein? Regarde un peu. Mais je te comprends pas là. Donc tu veux dire que je n'ai pas l'air de personne qui... Qui les fait des grandes choses, n'est-ce pas?
Arrête de rêver sur des choses que tu n'auras jamais. Tu es ennemi du progrès. Hey. Malade. Ah, laisse-moi. D'abord, qu'est-ce que tu attends ici? Que la foudre s'abatte sur ta bouche là pour m'avoir posé cette question. C'est quel genre de question? Est-ce que je suis la seule personne qui puisse me plaindre de ta façon de parler mal aux gens? Insensé. Ce village est vraiment vaste et il est très beau. Ah. C'est le plus beau village de ce royaume. Ça, c'est le meilleur endroit pour toi. Je peux voir ça. Oh. Tu sais là où je me promenais là-bas. J'imagine maintenant tous ces royaumes comme ça, qui m'appellent Izuna les champions. Si seulement je parle, tout le monde se calme, obéit. Oui, ça c'est le royaume des Kokali. Ah. Ta maison. Alors, bienvenue. Mais sérieusement, c'est puissant, oh. Hey. Hein. Cette terrain appartient à quelqu'un? Oui, c'est pour quelqu'un. J'ai un plan. Viens, nous allons parler. Oui, c'est... Ah. Il faut que je te demande quelque chose. Ne le prends pas mal. Donc tu veux dire que dans tous les palais là-bas, personne ne m'a connu. Personne ne savait que j'existais. Personne ne savait que moi j'existais. Pas du tout. On n'a jamais su. Si on était au courant de ton existence, on serait déjà venu vers toi. Hein? On n'a jamais su. Pardon. Mais moi, l'endroit où je vivais là-bas, ce n'est pas un monde. Non, je comprends. Je dis seulement là où moi j'ai grandi. Pour pouvoir ne fût-ce qu'une télévision. C'était vraiment difficile. Quand tu vois la télévision, on regardait les petits-enfants, les petits-enfants. Et quand je voyais maman, je me cachais comme ça. Ah, finalement, elle arrivait à me voir. Ouais. Marie, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu es à la maison. Réjouis-toi du royaume. Tu es maintenant le prince. Peut-être bien. On peut rentrer à la maison maintenant. Calista, depuis que tu es revenu, tu es abattu, comme l'autre fois. Tu es triste. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, ma fille. J'ai tellement peur pour ce qui se passe dans les palais. Pourrait-il avoir la paix dans une maison construite avec tant de mensonges? Mais comment tu dis ça? Alors que la reine mère doit sauver le trône. Pour quelle fin? Pour quelle fin, ma fille? Le passé revient toujours pour hanter le méchant. Personne n'est méchant dans ces palais. Et c'est parce que tu ne connais pas la reine mère. Elle est tellement gentille. Qu'importe la quantité de la pluie, elle ne pourra jamais enlever les taches du léopard. Jamais. Ah, mais sérieusement, moi j'ai très faim. Toi, avoir faim? Ah, mais j'ai faim. Tu n'as pas vu? Je risque de mourir comme ça. Ok, ne t'inquiète pas. Allons au palais. Je vais faire quelque chose de spécial pour toi, ok? Tu vas préparer. Seulement comme tu es habillé comme ça. Avec la jolie robe de princesse que tu portes comme ça. C'est comme ça que tu vas rentrer à la maison et commencer à faire la cuisine pour moi. Ne t'inquiète pas, je le ferai spécialement pour toi. Ok. Ça c'est vraiment grave. Est-ce que tu sais vraiment c'est que moi je veux manger? Hein? Attends, de manière particulière là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Abidon, Kobi. J'avais dit, ta grande soeur va te donner tout ce que tu veux. Je le ferai. Tu sais, je n'ai jamais eu le temps de jouer beaucoup avec Izuna. Juste parce que papa et maman prenaient très bien soin de lui, lui donnaient tout ce qu'il voulait. Mais pour toi, ta grande sœur prendra soin de toi, ok?
J'y serai aussi, oh, mais tu veux que moi je vais aller manger mon commis là-bas. Je sais que moi je meurs déjà de faim ici. Oh. Je risque de tomber en retour. Allons vite manger. Izuna, hormis le fait que tu es devenu médecin le roi, tu es mon petit-fils adoré. C'est lui qui a une si grande place dans mon cœur. Je le sais bien, grand-mère. Et tu sais que je vais toujours te chérir. C'est toi la mère que j'ai connue depuis ma toute petite enfance. Je sais que je t'ai fait du mal. S'il te plaît, pardonne cette vieille femme. Si j'avais fait cela, c'est parce que c'était la seule option que j'avais à l'époque. Non, tu ne comprends pas, grand-mère. Ce n'est pas à moi que tu as fait du mal. C'est Wenze que tu as privé de tout, grand-mère. Oui. Et je crois que c'est à lui que tu dois demander pardon, grand-mère. Hey baby, hey baby, Pichi, Pichi, ah, hey baby, hey baby, Pichi, Pichi, ah, laisse-moi t'aider. Hey, n'essaye pas, oh, tu peux me laisser maintenant. Mon amour. Quoi? Mais tu es la seule personne que mon cœur aime, non? Quand je te regarde, tu fais mon cœur. Hey! Ne me touche pas. Tu es là pour chanter pour moi. Tout en ignorant que je serai la prochaine reine. Quoi? C'est quelle bêtise. N'osez même pas vous deux là. N'osez même pas me chercher. Qu'est-ce que tu vas faire? Regardez, oublie le fait que c'est celui de il ne fera rien. Arrête devant moi, va faire ton travail. Je lui donnerai des coups sur son visage. Attends. Regardez celui qui parle. Tu vas t'étonner pour ce qu'il va se faire. Continue avec ça. Il est hors de question que nous restions la bras croisés en train de regarder cette abomination. Le roi d'être détrôné. Hein? Le roi détrôné? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Hein? Ça n'a jamais existé dans l'histoire du royaume de Okane. Qu'un jumeau puisse diriger la communauté. Regardez le commencement de tout. La reine mère est parvenue à mentir au faiseur du roi. Pourquoi devons-nous aller à cette affaire de deux poids, deux mesures? Naï Obuefi, Naï, s'il te plaît. Ça, ce n'est pas une décision que l'on peut prendre sans pour autant faire une profonde analyse. Hein? Nous devons réfléchir sur ça. Réfléchir pour quoi? Plus nous réfléchissons, plus les choses sont pires. Ne comprenez-vous pas que la reine mère a dû duper le faiseur du roi. Elle devrait être punie. Bon, Manelugo, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire maintenant? Exactement. Nayelugo, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Détrôner le roi et les mettre tous de côté. Hein? Oui. Nayelugo, c'est quoi ça? Hein? Oh non. De toute façon, je pense que tu as largement dépassé tes limites avec ces problèmes de la famille royale. Alors, je ne prends pas part de cette réunion. Reste là, moi je pars. Attends-moi. On revient. Oh non, mais revenez. Bientôt, on sera de retour. Mais sachez que vous êtes en train de faire erreur. Venez comme ça, on va discuter de ce qu'on doit faire. On revient. Oh, c'est malheureux. Tu m'as appelé. Wenze, mon frère, tu es vraiment une photocopie de moi. En tout cas, je vois que nous nous ressemblons identiquement. Et tu sais, moi-même, ça m'a beaucoup surpris de voir quelqu'un qui me ressemble totalement comme ça. Quand je suis arrivé ici, je vis, ah, comment on peut se ressembler comme ça, comme si c'était moi en doublon. Cela me remplit de beaucoup de joie. Voir que j'ai aussi un frère, ça fait beaucoup de joie.
qui est l'aîné entre toi et moi? L'aîné? Oui, parlons maintenant. Entre toi et moi, qui est le premier fils? Qui est sorti du ventre en premier? Qui est venu en premier? Qui est normalement supposé être le roi? Moi, tout ça ne compte pas. Tout ça ne compte vraiment pas. Ce qui compte le plus en ce moment, c'est que tu sois de retour. Oui, c'est ça. Donc, comme je suis de retour, tout ça n'a plus aucune importance. Dans n'importe quel royaume dans ce monde, il n'y a qu'un seul roi, partout dans le monde. Alors dis-moi, entre nous deux là, qui est vraiment supposé être le roi? S'il te plaît, Moïse. J'avais toujours voulu tenir mon frère, dont j'ai été privé depuis des années. Et maintenant, tu es de retour. Tout ce que je voulais, c'était juste te voir, jouer avec toi, causer avec toi, m'amuser avec toi et non se mettre là à parler du trône ou je ne sais quoi. C'est ça que tu veux me faire croire, c'est ça. Que tu es heureux de me voir ici. Heureux? Pourquoi tu ne danses pas dans ce cas? Où nous devons danser ensemble? Bon appétit. Lave-toi les mains et rejoins-moi. Viens manger. Que je viens de manger? Va vite te laver les mains là-bas et tu viens me rejoindre à table ici. Non, pourquoi? C'est vous le prince et moi je suis importé. Et je mange là dans mon bureau. Tu veux que je perde mon travail? Désolé. En tout cas, je ne sais pas. As-tu perdu la tête ou quoi? Dis-moi un peu, toi tu ne comprends rien de la vie. Attends, écoute. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai souffert là-bas dans la rue. Tu me comprends? J'ai souffert dans la rue. Je mangeais tout ce que je trouvais à manger. Et maintenant, je suis le prince. J'ai de la nourriture. Tout ce que je veux manger. Laisse-moi te dire. La vie, c'est comme ça. C'est tour à tour. Chacun a son tour dans la vie. C'est comme ça. Alors viens t'asseoir ici, nous allons manger. Viens manger avec moi, tu vois, on peut oublier autre chose, tu comprends ça? Tu me comprends? Vous êtes vous habillé là, je sens pour moi que vous êtes un très très bon prince. Hey, mon prince, vous êtes tellement merveilleux, j'ai compris. Que je prenne juste. Va vite te laver les mains. Je vais prendre juste, mes mains sont propres. Bon, d'accord. Écoute, tu peux prendre ça pour toi. J'espère que tu es sûr que tes mains sont propres. Non. C'est pas vraiment ça. C'est la passe-passe que tu aimes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est normal que tu sois aussi jaune que la passe-passe elle-même. Mon prince. Mais il ne faut pas te tromper. Ta place est toujours à la porte. Dès que tu termines, tu vas là-bas. Retourne à ta place. D'accord, mon prince. Tu es fou? Avec ce que tu as eu là, tu n'es pas heureux. Hey, cet homme vraiment. Il a déjà eu à manger, mais je ne sais pas ce qu'il va encore chercher ici. Hey! Donc il pensait qu'il allait rester ici, continuer à manger avec moi. C'est comme si ce qu'il a déjà mangé là ne lui suffisait pas. À chaque fois que je serai en train de manger, je donne là-bas à droite, ici à gauche. Oui, je partagerai partout. Ha! C'est une nourriture. Quand tu la manges, ha, tu ne pourras plus parler. Elle rend silencieux. Laisse-moi manger. Écoute-moi, mec. Il ne se laisse pas voir, hein, ces derniers temps. Il faut savoir comment chercher l'argent, mec. Mec, tu sais que j'ai failli donner des coups à ces gars à trembler. Maman, oui. Oh, bonjour, maman.
Maman Wenze, mais on vous salue. Oh. Bon après-midi, vous maman. Oh. Que ces salutations vous tuent vous-même. Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Ça fait combien de temps que vous ne venez plus ici? Maman Moïse, calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Hein, maman? Maman Moïse, s'il te plaît. Calmez-vous. Calmez-vous, hein? Maman, ça fait longtemps que nous n'avons pas vu votre nous fils. Sommes, voilà je venais pourquoi juste de voir rien de nous plus sommes venus nous le voir. Écoutez, en tant que notre ami, maman. Hein? C'est notre ami. Il serait mieux pour vous de disparaître pour de bon. Oh mon Dieu! Elle est morte! Hey! Oh, Tu n'es qu'aimé. Hey! Il est que mort. Dieu me parle. Hey! Que son âme repose en paix. Ton père, ta mère et toute votre génération qui vont mourir. Pas mon fils. Ah! C'est quoi ça, maman? Pourquoi vous nous souhaitez sans nous les rejetons, s'il vous plaît? Sans c'est effet. Quoi ça, maman? Nous les rejetons. Ces malédictions vont vous retourner vous-même. Ah! C'est tu quoi ça, maman? Ça? Nous sommes venus rendre notre ami. Tu es à vous finir, notre ami. Hein? C'est vraiment nul et sans effet. Ne remettez plus jamais vos pieds ici. La malédiction pour toute la génération. C'est quoi ça? Vous allez voir ce que je vais vous faire. Regardez-le. Que ce soit la dernière fois que je vous vois ici. Mon fils. Ne les laisse pas être en paix hein, pour tout ce qu'ils t'ont fait. Livre-leur la guerre. Oui. Ce trône t'appartient. C'est toi le vrai prince héritier. Obuefi, tu t'es bien entendu. Je ne laisserai pas voir la paix. C'est la guerre qu'ils auront. Ils verront les problèmes que je vais apporter. Je mettrai le trouble partout ici, ensuite je m'en irai. Cet endroit sera en feu. Le feu, papa. Partout, ils vont voir du feu. Oui, mon fils. Laisse-moi dire une chose. Mais on va en parler après. Que les gens ne nous suspectent pas, hein? Je dois m'en aller. Je t'ai entendu. Livre-leur la guerre. La guerre, la guerre. La guerre. La guerre. Hey! Je n'arrive pas à comprendre cet homme. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a dans la tête, lui. Obuefi. Hein? Donc, tu veux que je fasse la guerre à toute ma famille? Hein? La famille que je n'avais jamais vue avant, que j'ai vue maintenant, qui me donne tout ce que je veux, et pour que toi tu trouves le chemin d'entrée. Tu vas mourir toi là, pauvre idiot. Hein? Tu vas mourir toi. En fait, ta jambe gauche va se courber. Tu vas perdre ta jambe. Non, n'essaye pas. Tu as très mal fait. Mon petit-fils, écoute, s'il te plaît. Je t'en prie, pour l'amour du ciel, pardonne ta grand-mère. Ne me dis pas de te pardonner. Ce que tu as fait n'est pas bon. Tu sais ce que tu as fait. Tu m'as séparé de ma famille. Je suis allé très loin là-bas, dans la souffrance. Tu m'as mené vivre très loin de ma famille. Ma famille est restée vivre dans l'abondance. J'ai commencé même à voler. Tu comprends ça? Ce n'était pas correct ce que tu as fait. Je n'ai même pas pu voir mon père. S'il te plaît, je sais que j'avais vraiment mal agi. Je n'ai plus beaucoup de jours à vivre, mon petit-fils. Je t'en prie, pardonne-moi. Pitié. Moi, je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Tu es méchante. Je ne suis pas ton petit enfant. Ne m'appelle pas comme ça. Mon fils, s'il te plaît. Pardonne-moi. Veux-tu que je me mette à genoux? Écoute, je ne suis pas méchante. Je ne suis pas du tout méchante. Pitié. Pardonne-moi, je t'en prie. Non, ne sois pas à genoux devant moi. Pourquoi tu te mets à genoux? Pardonne-moi. D'accord, c'est pardon. Lève-toi. Il n'y a pas besoin de te mettre à genoux comme ça. Vas-y, lève-toi. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux pour moi. Quoi? Merci. Je t'ai déjà pardonné. Il faut juste oublier ça. Je t'en prie, oublie. Juste que je suis un peu triste, mais ça va. Allez. Oui, grand-mère, je suis désolé. Dia. Calista. Non, mais tu es folle. Je ne sais même pas d'y penser. Donc, toi. Et moi là à Konko, le grand portier des tous au palais. Je suis amoureux de toi, mais tu te permets d'aimer une autre personne. Je comprends bien. Alors, Agou, si à peu importe comment on t'appelle, comment ma vie amoureuse peut devenir ton problème? En fait, tu ne comprends absolument rien. Et c'est mon affaire. Parce que tu. Ça m'affecte, non?
Brice, je ne t'aime pas, non? Est-ce que c'est par force? Calista, c'est maintenant par force. Maman que j'ai vu que je me marie, non? Et c'est toi que j'ai choisi, non? Hé, ne commence pas, je vais crier. Tu as oublié la fois dernière. Je vais crier. Laisse-moi, laisse-moi. Hein? Donc vous deux, et c'est dans le palais que vous êtes là en train de faire vos chuchoteries. Toi. Mon prince, Massange, moi je ne peux jamais être en relation avec cet idiot. Je lui ai répondu à plusieurs reprises qu'il me laisse, mais il ne veut pas. Mon prince, laissez-moi vous dire la vérité de mon cœur. Je suis vraiment amoureuse de cette fille. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi un peu vos bêtises là que vous dites. J'ai vu comment tu parlais ici et le geste que tu faisais. Nya, nya, nya. Ça dit tout. Commence à crier, à parler, à crier, à faire des gestes comme une petite fille, à pleurer. Tu lui as dit que tu l'aimes. Arrête de te comporter comme une petite fille. Mon prince. Hey, toi là aussi, si jamais j'apprends que tu fais des bêtises avec elle ici, je vais te chasser d'ici à l'instant même. J'espère que tu m'as bien compris. Mon prince, allez-y. Mon prince. Mon prince. Mais il ne faut pas oublier les travails. Mon prince. Regarde, laisse-moi. Laisse-moi, mais ne me touche pas. Laisse-moi, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Ne me touche pas. Laisse-moi. 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 Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais faire pour essayer de m'arranger? J'ai mené un frère jumeau que je n'avais jamais vu quand j'étais encore dans la souffrance. Maintenant, je veux rencontrer ma sœur. Il y a aussi la grand-mère. Parce que là, je vois que ma famille m'aime beaucoup. Ils s'attachent à moi. Ils veulent vraiment se familiariser à moi pour que nous réformions une famille. Qu'est-ce que tu vas faire? Et dans la rue, tout le monde me voit comme une mauvaise personne. Qu'est-ce que je peux faire? Les gens se plaignent de moi partout où je vais. Hey! Mais attends. Tu ne penses pas que c'est une opportunité, ça? Comment je vais faire pour essayer de m'arranger? Non, attends. Et si je les tue tous seulement? Et je prends vie ce trône-là et tout le monde va m'appeler le roi. Ah, c'est pas vrai. Non. Ah, au bois fille, tu es échoué. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne veux pas les tuer. Je suis à l'écoute. Regardez, je pense qu'il est temps que nous nous fassions comprendre au sujet de cette affaire. Il est temps que nous rendions notre verdict sur cette affaire. Ah, Oboefi, ce n'est pas nous qui pouvons leur juger. C'est à Dieu de les faire. Donc ils doivent souffrir pour avoir menti à tout le grand royaume. Tu ne peux pas punir toute la famille à cause d'une personne. Hein? Laissez-moi vous le rappeler. Notre tradition est vraiment claire sur cette affaire. Et il est stipulé que qu'aucun jumeau ne peut accéder ou hériter le trône de notre grand royaume. Oboefi. Oh non. Je pense que tu n'as pas la maîtrise des us et coutumes de notre terre. Est-ce qu'il faut punir toute la famille à cause d'une personne? Je commence à soupçonner ton intention. Qu'est-ce que tu revendiques exactement, Oboefi? Oh, notre grand royaume, bien sûr. Hey! Mon Dieu! Un serviteur ne peut jamais exiger l'héritage de son maître. Étonnant. Sinon, il est un rebelle. C'est un rebelle, je te dis la vérité. C'est quoi cette réflexion? Ok. Les rebelles périssent toujours. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Oboefi, quel que soit ce qui nous est arrivé, tu restes toujours le membre de la maison royale. S'il s'agit de punir, n'oublie pas que toi, tu n'auras pas la chance d'accéder au trône. Oui. Jamais. Jamais. Ça ne va pas se passer. Ne faut pas même insister. Tu n'as pas cette chance. Nous te le disons ouvertement. Ça se rêve aux yeux ouverts. Ça n'arrivera jamais. Je vois clairement un complot. Il n'y a personne qui conspire contre quelqu'un ici. Nous faisons le fair play. Oui. Ah! Ça n'arrivera jamais. Izo. Il faut que je te parle de quelque chose. Il faut que je t'en parle. D'accord. Tu sais, un tel crime ne peut
pas rester impuni. Le roi doit être détrôné et la reine mère totalement bannie. C'est que la grande reine a fait, ce n'est pas à nous de juger. Par contre, ce genre de punition, c'est seulement le roi qui peut décider lui-même, ni toi et ni moi. Le roi est un jumeau. Il n'est pas digne d'occuper le trône. Il n'a pas non plus le pouvoir de rendre un tel jugement. Oboefi, écoute-moi bien. Il faut faire trop attention pour traiter un problème comme celui-ci. Pour éviter des erreurs. Juste après que vous rendiez votre jugement, mon frère a quelque chose à me dire. On vous en prie. J'aimerais parler de Obuefi que vous voyez assis là. Obuefi a voulu que je conspire avec lui pour que j'entre dans cette famille pour détruire la maison familiale. Je vous dis, si jamais je vous mens, que le Dieu me tue en ce moment même. Il est venu vers moi. Il a commencé à me dire d'entrer dans cette famille-ci et d'apporter la destruction et d'apporter la guerre dans toute cette famille. Il voulait que tout soit chamboulé ici. Il m'a même conseillé de mettre le feu ici partout. Partout, hein? Mais je vous dis, alors, il m'a encore dit que je dois faire ça. Et que c'est moi qui suis supposé être le roi. Et mon frère qui est assis là, vous comprenez?
Agnello, le roi a ordonné que tu ne mettras plus tes pieds à toutes les rencontres qui se tiendront au palais. C'est une décision qui vient du roi dans toute sa royauté. Non mais quoi, jamais. Sache que tu es dégradé dans chaque titre que tu avais dans ce royaume. Tu n'es plus rien dans ce royaume. Non, jamais, il ne peut pas. Il ne peut Depuis quand est-ce que tu as commencé à dire non? Nous n'avons pas encore fini. Agnello, tu ne fais plus partie des membres des anciens. Désormais, tu es devenu un ordinaire dans ce royaume et tu ne profiteras en aucun intérêt de la royauté. Chief Nabogu, partons d'ici. Non. Je pense au moins que nous étions clairs. Non. Ces concrets-là de roi est en train de dépasser ses limites. Non. Ceci n'arrivera jamais. Jamais. Bonté divine, je peux dire que c'est la vieillesse. Je suis sûre que mes yeux ne me jouent pas de tour. Est-ce que la personne que je vois, c'est bien Obie Funaye Lugu? C'est lui qui a été trahi par la reine mère. C'est lui dont la couronne a été ravie. C'est bien moi, Obie Funaye Lugu. En chair et en os. Es-tu venu te moquer de ma pauvreté? Es-tu venu te moquer de ma pauvreté? Jamais. Que je sois maudit si je suis venu me moquer de toi. Il y a du feu au sommet de la montagne. La chose qui est censée manger la sauterelle a été mangée par la sauterelle. Voilà pourquoi je suis ici. Ma grand-mère. Hein? Oui, grand-mère. Izuna? Oui, grand-mère. Où est Wenze? Oh. Il est encore dehors. Grand-mère, je pense que nous devrions... Oh. Izuna? Izuna? Izuna, qu'est-ce qu'il y a? Izuna, Izuna, non, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Mais parle-moi, non? Izuna, tu calmes. Izuna, s'il te plaît. Izuna, Izuna, non, Izu. Izuna, mais qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, grand-mère. Non, mais c'est quoi ça encore? Ah, mon frère! Izuna! 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 Que se passe-t-il? Il est juste tombé. Ah. Izuna! Ah. Izuna! Izuna! S'il te plaît, s'il te plaît, ouvre les yeux, d'accord? Ouvre les yeux, doucement, ouvre les yeux, tout ira bien. Tu es venu vers moi parce que tu as perdu ta place auprès du roi. Et c'est ce que ton cœur a toujours désiré désespérément. Qu'importe la douleur que j'ai dans le cœur. Je le sais. Je sais que je ne suis plus permis de m'approcher de toi. Mais la seule chose que je sais, que nous avons tous un ennemi commun. C'est lui que tu as vraiment le désir de détruire. Qu'importe la douleur que j'ai dans le cœur.
je ne pourrai jamais faire couler les sangs. Je ne pourrai jamais faire couler les sangs. Mais celle-ci est l'unique opportunité que tu as pour te racheter dans son royaume. Je pense qu'il est temps pour toi de prouver combien tu es innocente de toutes ces accusations. Mais pour ne vois-tu pas que... Pour quel fait, Obiefina Yelo? Mais pour quelle raison je me bats? Pour quelle raison m'impliquerai-je dans un combat? Pour qui? Moi, Obiefina Yelo, accéderai à ce trône. Et je veux m'assurer de te remettre en ta position de la reine mère. Et je veux m'assurer que votre fille devienne la princesse de notre royaume. Et ensemble, toi et moi, allons régner sur le royaume d'Okane. Ne compte pas sur moi. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne ferai jamais partie de ton plan maléfique. Le dieu m'a déjà puni. Et je ne te permettrai pas de m'attirer le malheur davantage. Pars. S'il te plaît. Avant de dire tout ce que tu es en train de raconter, penses-tu être de mon côté? Disparais de ma vue, monsieur. Va-t'en. D'accord, je m'en vais. Que le Dieu me soit témoin. Je ne fais pas partie de ton plan maléfique. Mais est-ce que... Je dis pars. Mes salutations. Bonsoir, grand-mère. Oh, ma fille. Grand-mère, j'ai salué Ono, mais il ne m'a pas répondu. Je crois que tout va bien. Ceux qui se rencontrent avec les esprits finissent dans la forêt maléfique. Grand-mère, c'est quel genre de maladie comme ça? Tout le temps, il ne fait que tomber et faire des crises comme ça. En fait, j'ai un trou dans mon cœur. Quoi? Comment? Et pourquoi je ne suis pas informée de cela? Il n'y a que grand-mère, je le sais. Je ne voulais pas vous inquiéter. J'ai pris beaucoup de médicaments. Mais ça ne fait que s'empirer. Tu vas trouver une solution pour ça, parce que ce n'est pas une blague. Est-ce que tu vois comment tu fais quand tu tombes là? Les gens commencent à te transporter. Il faut trouver une solution pour ça. Il n'y a rien que nous puissions faire pour l'instant. Est-ce que tu es en train de dire que... Il doit partir à l'étranger pour un traitement approprié. Le docteur a dit que pour qu'il puisse survivre, nous devons faire cela le plus tôt possible. Et nous perdons encore du temps ici. Vous tardez encore ici. Au lieu de l'amener à l'étranger directement, ce palais n'a pas d'argent. Donc on est là. Dans peu de temps, il peut voyager. Et même revenir ici, continuer son travail. C'est comme ça qu'on peut lui sauver la vie. Grand-mère. Je l'ai supplié. Mais il refuse. Même à ton arrivée, je lui avais dit cela. Il a refusé en disant qu'il veut passer plus de temps avec toi. Imaginez qu'une telle chose s'est faite dans les palais et moi je ne suis même pas informée. Grand-mère, quand est-ce que tu avais planifié me le dire quand? Il m'avait demandé de ne les dire à personne. Il est le roi, alors qu'est-ce que je fais? Je suis sa sœur. Et précisément sa grande sœur. Donc j'ai le droit de savoir tout vous concernant. Je voulais passer plus de temps avec toi et Wenze. Izo? Tu voulais me faire passer du temps avec Wenze? Ok, d'accord. Maintenant, fais comme si je ne suis pas là.
Fais comme si tu ne m'as pas vu, d'accord? On ne se voit pas. Maintenant, il faut que tu ailles prendre ton traitement. Maintenant, il faut que tu te lèves pour aller prendre ton traitement. Ne perds pas ta vie à cause de moi. Tu vois? Tu veux mourir et me laisser seul avec la grand-mère et la grande-sœur. Quand tu me vois là, est-ce que tu penses que je peux les gérer comme toi tu les gères? Dis-moi un peu. Ah, Izu, va te faire soigner. Va te faire soigner. Wenzel. Je crois que je suis le plus grand perdant dans toute cette affaire. En fait, dans le monde entier. Comment est-ce que j'ai pu être si stupide? Chai, Nayeloko, tu es vraiment un fou. Je devrais tuer tous ces garçons depuis très longtemps. Chai, regardez-moi maintenant. Je n'ai rien. Et je ne suis rien non plus. Ceci n'est pas du tout normal. Ta santé s'empire jour après jour. Je veux que Wenze devienne le roi à ma place. Je veux accomplir son rêve avant de partir. Que veux-tu dire par ses rêves? Mon frère rêve de devenir roi un jour. Je veux que son rêve se réalise. Et toi maintenant? Je ne voulais jamais être roi. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est la liberté de cette maladie et de tout le reste. Le trône était mon héritage. Mais il a souffert pendant beaucoup d'années à cause de moi. Laisse ceci être sa récompense. Es-tu sûr de ça? Grand-mère, Adézé. À partir de ce jour, je suis Moïse. Et il est Izuna. Il est le roi du royaume de Okane. Wenze, je sais que tu feras un meilleur roi que moi. Ah, il va pas là. Pas jusque là. Je t'en prie. Ah, moi être le roi. Tu sais bien que je ne me comporte pas correctement. Même le langage, je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas parler aux gens. Tout va s'écrouler, tout va tomber. Tout va tomber de mes mains si je suis roi. S'il te plaît. Va chercher ce qu'il te faut. Vas-y. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.